Une petite œuf de Pâques. Et moi, je suis une folle. Il n'y a que le papa, il est frais là. Moi, on dirait une malade. J'ai mis les doigts dans la prise. Alors lui, œuf de Pâques. Première tenue de chez les Sarka. J'ai pris ce petit top en maille fine, donc hyper agréable à porter, avec un petit jean noir. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas eu et j'en voulais un. Donc voilà, je l'ai trouvé. Et ce que j'aime bien chez les Sarka, c'est qu'ils sont trop bien taillés. Ils sont bien élastiques, ils font de belles formes. Et j'ai pris avec cette petite paire de bottines en caoutchouc. Donc c'est top pour les temps de pluie aussi, parce que du coup, au moins, vous êtes tranquille. Elles sont trop cute, j'aime trop. Vous aviez pas compris que cette doudoune, c'est vraiment mon coup de cœur de l'hiver. Ben, je l'ai pris en couleur camel. Camel taupe, voilà. Je l'aime trop, elle est trop belle, elle tient bien chaud. J'aime trop les longues doudounes comme ça, bien matelassées. J'adore. Ensuite, on a ce petit pull blanc en maille avec les petites manches tressées. Je trouve ça hyper mignon. Ça donne un petit look un peu cool, avec un petit short en simili cuir kaki élastique à la taille ceinturée. Donc ça, ça paraît une tenue un peu d'été, mais vous mettez un bon collant avec une paire de cuissardes ou des bottines et franchement ça passe vraiment trop bien, avec une belle doudoune par dessus et on est au top. Genre tenue trop agréable à porter, j'ai pris ce petit top blanc que je trouve hyper original, donc en coton tout simple, et ce pantalon matière un peu velours rouge. Comme je suis trop bien, trop à l'aise dedans, franchement canon, j'aime trop. Voilà, c'est un petit look très mignon, un peu coloré. Petite chemise, elle est trop belle, j'adore la couleur. Donc boutonnée ici, assez épaisse, fluide, que vous pouvez mettre seule avec des cuissardes par exemple ou des bottines. Enfin, elle est vraiment jolie, elle est plus longue derrière, ce qui vous permet de la porter sans rien en dessous ou avec une paire de collants. Mais j'aime beaucoup la couleur et il me semble qu'elle existe dans d'autres coloris sur le site. Canon. Sur le site lessurka.fr, c'est les soldes, il y a jusqu'à moins 50% et vous avez moins 10% supplémentaire avec le code promo MADIDIS pendant seulement 24 heures. Donc franchement, il y a plein de tenues hyper canon. Moi, quand je vais sur le site, le problème c'est que je fais des paniers de 100 articles. J'aime trop ce qu'ils font. Voilà, c'est une marque que j'affectionne depuis maintenant pas mal de temps et là avec les soldes, il y a vraiment un gros code promo, donc foncez, je vous mets le lien en swipe up. À me demander d'où vient ma petite voiturette Chanel, donc je l'ai fait faire sur mesure par un artiste sur Instagram. Voilà, vous le contactez, il fait même des petites voiturettes Hermès, Louis Vuitton, enfin en gros vous les customisez un petit peu comme vous voulez, mais genre c'est trop cute. Voilà, moi je trouve ça trop mignon posé à la maison, ça fait une petite déco en plus. Donc moi je l'ai mis dans le coin bureau, l'open space en haut, voilà, qui donne ici, mais franchement elle est trop jolie, je la kiffe. J'ai également pris un petit tableau, donc vraiment très beau, que j'ai fait personnaliser avec les détails Louis Vuitton dessus et des feuilles d'or, enfin genre un façon feuille d'or quoi. Il est vraiment très beau aussi, donc celui-là je l'ai mis dans la chambre au-dessus de la console. Donc vous pouvez vraiment faire tout, vous pouvez tout lui demander. Rappelez-vous aussi, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, à Dubaï vous avez peut-être vu mes cadres noirs Mickey que j'ai mis dans la salle de cinéma et que j'avais dans mon ancienne maison. Bah pareil, c'est chez lui que je les avais fait faire, franchement il est juste trop fort. Sinon, mis à part ça, pas mal de petites péripéties ces derniers jours. Pour ceux qui le savent, c'est l'anniversaire de Benji ce week-end, donc c'est les 30 ans de mon chéri. D'où le fait qu'on soit resté un petit peu plus longtemps en France, puisque bah, 30 ans, ça se fête quand même, et on serait content qu'il y ait la famille, les amis et tout, qu'on n'a pas forcément sur Dubaï. Du coup, voilà, j'organise depuis pas mal de temps un gros truc quand même pour ce week-end. Sauf qu'avec le Covid, j'ai que des annulations, que ce soit au niveau des prestataires, que ce soit au niveau des invités, etc. Tout le monde a le Covid autour de nous. Et d'ailleurs, là, on a de la famille proche, des amis qu'on voit tous les jours qui l'ont également. Donc, je pense qu'on va aller faire le test aussi aujourd'hui parce que clairement, on ne va pas prendre de risques. Mais je serais vraiment en PLS si on devait annuler l'anniversaire parce que j'ai vraiment tout organisé depuis des semaines pour que ce soit vraiment un truc trop sympa. Voilà, c'est 30 ans quand même. Et ça se fait pas tous les jours. Du coup, j'espère vraiment qu'on est négatif.
négative, que pas mal de nos amis qui ont été positifs seront négatifs d'ici quelques jours pour pouvoir venir. Enfin, franchement, là, c'est trop relou parce que on est resté un peu plus en France exprès pour faire les 30 ans ici, puisque c'est vrai qu'à Dubaï, il n'y a pas forcément la famille proche. On a quelques amis, mais on n'a pas tout le monde. On a même certains de nos amis de Dubaï qui sont restés en France pour être là pour l'anniversaire à Benji. Donc, pour le coup, franchement, là, ça tombe trop mal, ce Covid. J'en peux plus, vraiment. Et en plus de ça, on a également notre retour sur Dubaï dans quelques jours. Donc, si on a le Covid, on ne peut ni faire l'anniversaire, ni rentrer sur Dubaï. Sauf que j'ai, pareil, réservé les billets même pour Maya et tout. Et comme c'est compliqué pour un chien, je vous explique, je serai obligée de tout refaire et tout. Enfin bref, une sacrée galère. Donc, j'espère vraiment qu'on est négatif et que ça va arrêter l'hécatombe là. Parce que tous les jours, c'est des nouvelles personnes autour de nous qui le sont et avec qui on a des contacts. Donc, on n'est qu'à contact, clairement. Voilà, salut. D'aller au ski, j'avais fait un test, un autotest parce que j'avais des symptômes un peu grippaux et c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on a quelque chose, on pense Covid. J'étais négative, mais c'est vrai qu'entre temps, mes symptômes ne sont pas arrangés, donc peut-être que c'est qu'un rhume. Mais voilà, je me dis que peut-être que c'est aussi le Covid, donc je vais retourner faire un test, mais cette fois-ci, je pense que je vais faire un antigénique. Comme ça, au moins, ce sera peut-être un petit peu plus précis qu'un autotest que je ne m'enfonce pas forcément jusqu'en bas de la gorge. D'ailleurs, si vous faites des autotests, faites-les bien parce que sinon ça sert absolument à rien. Et voilà, donc je croise les doigts, mais en tout cas, relou déjà que tout ce que j'avais prévu ça tombe un peu à l'eau. J'ai des invités que je voulais absolument qu'ils soient là qui ont le Covid. J'ai des prestataires, j'avais fait des trucs de fou qui m'ont annulé aussi. C'est trop dur, je suis trop deg. Mais bon, on va essayer de faire avec. En tout cas, bon courage à tous ceux qui ont le Covid. Je sais que là, clairement, en ce moment, tout le monde l'a, mais personne n'a de symptômes. Voilà, c'est un Covid éphémère, c'est Casper. Tant mieux, à la limite, au moins, il n'y a pas de soucis dangereux, mais... Les compléments alimentaires de chez Anaka 3 que je prends tous les matins avec mon petit déjeuner, c'est 4 gélules par jour. Donc ce sont des compléments alimentaires fabriqués en France, je pense que vous devez connaître, il y a la pub à la télé, on les retrouve également en pharmacie. Et franchement, en termes de résultats, je trouve que c'est sûr que déjà il y a le plus d'avis positifs et c'est une marque que je connais et que j'ai déjà utilisée plusieurs fois quand j'en avais besoin. Et pour le coup, celle-ci 12 en 1, c'est 12 actions en une pour vous aider à votre objectif minceur. Donc ça va vous aider à drainer, à éliminer, à perdre du poids, à vous couper la faim, ça va avoir plein d'actions en une et du coup c'est cool parce que c'est regroupé seulement dans ces petits comprimés là. Donc c'est hyper simple à prendre, vous les prenez avec votre repas, avec un grand verre d'eau et c'est terminé. Voilà, ça va vous aider vraiment si vous êtes dans un objectif de perdre du poids, de faire attention à votre ligne, etc. Et en plus de ça, ils sont riches en vitamine C et plein d'autres choses telles que le fenouil, le zinc, le chrome, les acides aminés et ça c'est hyper important parce que ça va vous donner du peps en plus. Un petit peu tout sur ma routine du moment, donc ça c'est vraiment pour m'accompagner en plus, pour essayer aussi de me limiter les sensations de faim, parce qu'en ce moment j'ai la dalle de fou, c'est l'hiver et le froid tout le temps ça me fait ça. Et là pour le coup avec ça, franchement vous les prenez le matin ou le midi avec votre repas, vous allez voir que déjà ça va un peu vous allez avoir le coup de boost qui va vous manquer. Franchement elles sont trop bien pour vous accompagner, donc moi c'est ce que je prends en tout cas en ce moment, je vous les recommande. Et pour ceux que ça intéresse, je vous mets mon petit code promo. Do what you want, little baby. If you want with me, you can roll with me. You can go where you please, little baby. Take a trip overseas, I'm talking you plus three. Digging your style, little baby. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous, oui, c'était beaucoup. Une petite mise en beauté, les cheveux, les ongles, etc. Les courses à droite, à gauche. Là, je suis rentrée, j'ai pris ma douche. Ce soir, on va se caler devant Netflix. Et je voulais en profiter pour vous donner le petit bon plan de la soirée. C'est avec Niki. Donc, vous le savez, Niki Cosmetics, c'est les produits que j'utilise et que mon chéri utilise également pour nos cheveux. Donc moi, c'est ce que je fais depuis maintenant à peu près 2 à 3 ans. Je fais shampoing et masque à chaque lavage. Et en ce moment, je suis sur une gamme vraiment que je vous recommande à mort. C'est la gamme Amla. C'est une gamme qui est spécialement conçue pour la croissance et la fortification des cheveux. Donc comme vous le savez, j'ai retiré mes extensions. J'essaye de faire un maximum de soins pour les faire pousser le plus rapidement possible et regagner de l'épaisseur, voilà, après le blond. Donc du coup, franchement, cette gamme-ci me donne vraiment de très bons résultats. Je retrouve de la masse. Et j'ai également appliqué pas mal le crinière que je vais me recommander d'ailleurs, que je n'ai plus, puisque je l'ai vidé le flacon.
Points et masques, il faut savoir que toutes les gammes de chez Niki sont vendues par pack. En plus, ça, c'est du 500 ml le shampoing et le masque. Donc, ça vous fait quand même clairement de quoi faire plein de lavages. Donc, en termes d'économie, vous n'avez pas besoin de racheter du shampoing tous les deux jours. Et pour le coup, franchement, moi, j'aime trop les gammes. J'ai été longtemps sur la gamme argan, la gamme kératine. Vous avez collagène, vous avez boue. Et en ce moment, je suis vraiment sur la gamme à l'huile d'alma. Voilà, elle fait bien pousser les cheveux. En tout cas, moi, elle me les rend beaucoup plus épais, beaucoup plus doux, beaucoup plus brillants. Et surtout, franchement, j'ai quand même récupéré une bonne longueur. Donc, je suis plutôt satisfaite. Donc, je vous la recommande vivement. Et puis là, pour les soldes, profitez-en. Vous avez moins 50% sur toutes les gammes, sur tout le site. Vous avez une brosse Niki offerte et une petite huile. D'ailleurs, je vais vous... La petite huile de bain à la fleur d'oranger Niki que vous pouvez laisser poser avant de vous coucher pour nourrir et réparer le cheveu. Et la brosse, tout ça, ça arrive dans une petite box. La brosse, elle est top. Moi, c'est celle que j'utilise au quotidien. Elle casse pas le cheveu. Elle démêle trop bien. Donc, voilà. Profitez-en. Je vous mets mon code promo.